Embarquons maintenant vers un lieu bien connu qui peut être attirant ou inquiétant, un aéroport. Plasticiens, designers, architectes ont été invités en effet par la Gaîté Lyrique à transformer le site en terminal aéroportuaire. Sébastien Thème s'y est rendu. Votre attention s'il vous plaît, les téléspectateurs d'entrée libre sont attendus à la Gaîté Lyrique. Si vous avez peur en avion, je voyage plutôt en train, ou qu'au contraire vous êtes un voyageur insatiable, j'ai mon petit passe, j'ai tout pris, ma valise et tout, mais non, je suis parti là. Venez découvrir l'exposition Aéroport Ville-Monde, l'aéroport comme non-lieu, lieu de passage et de vie ou frontière virtuelle. C'est aussi Ville-Monde parce qu'un aéroport, c'est comme une ville et ils se ressemblent tous un peu. Du point de vue sonore, il y a tout un climat ici, une ambiance qui était très travaillée. Cette exposition, je la trouve très intéressante parce qu'elle est assez immersive. Ouais. Il y a du son partout. C'est aussi un endroit d'émotion, l'aéroport, et c'est ça qu'on a voulu explorer. Avec ce qu'on trouve d'exaltation, de désir d'évasion, de voyage, d'aventure, de frisson. J'ai bien aimé cette petite vidéo qui parle du plaisir masochiste d'être soumis au contrôle des machines. Ça m'a fait beaucoup réfléchir à la manière dont on prend les aéroports. Nous repartons nous-mêmes pour la Suède demain. Et j'aurais une pensée particulière pour ce monsieur au moment où je serai en Christ, en train d'être palpé. Fondateur américain et au prêtre de l'église de Satan. C'est démoniaque. C'est un portique de reconnaissance faciale et qui reconnaît votre visage, mais qui ensuite s'amuse à le mélanger assez allègrement avec des images de poètes, d'hommes, de femmes, de sciences, d'artistes, de quelques serial killers, de criminels, de pédophiles. Ah, le photographe Terry Richardson. Ouais, il a pas mal d'affaires sur le dos, je crois. Ouais. Donc, bon. L'aéroport est un endroit qui est assez structuré, balisé, codifié, où se posent des questions de contrôle, de régulation, de sécurité. Tout ça crée un environnement qui est un peu une métaphore de nos villes contemporaines. Et c'est ce qu'on a voulu explorer dans cette exposition. Love's in the air.